Coucou et bienvenue sur Chaîne Escrap. Voilà, je reviens vers vous car j'ai reçu un colis de la chaîne de Iluna Scrap. Donc, je vais marquer le nom d'Iluna. Alors, Iluna. Iluna Scrap. Et Iluna. Alors, pour moi, c'est ma petite Marine, donc je note parce que j'ai reçu un énorme colis venant de sa part. Donc, Iluna, tu auras le numéro 8. Numéro 8. Voilà, Iluna Scrap. Excusez-moi, je suis pas en... je suis un petit peu envahie sur mon bureau. Et puis, j'arrivais plus à ranger, plus rien. Alors voilà. Hop. Et Luna, numéro 8. Voilà, et je t'ai marqué dans mon petit carnet, les filles. Donc voilà le facteur, ce qui m'a apporté. Donc nous allons le découvrir ensemble. Donc pour ceci, je vais le mettre à côté de moi. Alors, attends, une petite abonnée que je m'installe. Voilà. Alors, j'avais ouvert juste avant, mais j'ai rien déballé, hein. Je peux vous montrer. Alors, je vous remontre. Voilà. Et Luna, ce mois, les colis, les ouvertures, je peine. Donc, je l'ai ouvert juste un petit peu avant, comme ça, avant de vous le montrer. Enfin, avant d'ouvrir, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va tout découvrir ensemble. Alors, sur le dessus, il y avait... Oh, ceci. Ah, attendez. Hop. Alors, on va découvrir des petites pailles. Alors, en premier, je voudrais découvrir sa petite enveloppe. Sa petite voilà. Donc sa petite carte. Une belle histoire d'amour. Avec un très joli papillon. Alors je lis. Coucou Chanel. Ah. Et non. Ma petite Elona, tu t'es trompée d'un mois. Mon anniversaire, c'est pas au mois d'avril, c'est au mois de mai. Coquine. Alors, elle me fait un petit. Non, non. C'est là au mois de mai. La même date, mais le mois de mai. Tu t'es trompée d'un mois, Marilyn. Mais c'est pas grave. Alors, bon, alors, donc, avec Marilyn, j'ai en cours un échange. Donc là, elle m'a envoyé ceci pour un échange et pour mon anniversaire. Voilà. Avec un peu d'avance. Mais elle s'est trompée. Elle pensait que c'était au mois d'avril, mais non, c'est au mois de mai. Mais ce n'est pas grave. Je t'ai fait des gros bisous et merci d'y avoir pensé en avance. Alors, regardez sa petite carte. Alors, Iluna, comme je t'ai expliqué, j'ai un petit peu de retard dans mes échanges. Donc là, je vais vite finir le tien pour pouvoir te l'envoyer. Voilà, regardez. Une jolie carte d'Iluna. Ensuite. Donc ensuite, des pailles. Ah, attendez, j'en vois plusieurs des pailles. Alors, des pailles comme ceci. On n'en a jamais assez. Elles sont super belles, celles-ci, là, les roses. Vous avez vu? Voilà. Ensuite, il y a une jolie fleur comme ceci. En épingle. Merci. Alors, une rosace comme ceci en tissu, fait avec des petites choses, des petits brillants, des petites dentelles. Regardez. Voilà. Comme ceci. Avec un joli petit brillant au milieu. Voilà.
Merci beaucoup. Alors là, il y a un paquet. Elle a fait des folies. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Des tampons. Des tampons, des tampons. Alors, attendez. Je les déballe. Alors, c'est des tampons sur... Alors, il y en a une, c'est un petit mot avec une encre marine, comme ceci. Merci beaucoup. Un autre avec un petit clown. Regardez, comme c'est choupi. Voilà. Là, avec une petite lettre. Un A. Ça, c'est chouette. J'aime beaucoup celui-ci. Ah, les petites théières, les petites tasses comme ça, j'aime bien aussi. Regardez comme c'est joli ça. La petite tasse de thé. Excusez-moi. Un bonbon. Une petite part de gâteau avec une bougie. C'est choupi, hein. Un petit gâteau comme ça. Là, deux petites... deux petits bonhommes. Voilà. Là, c'est une petite tasse. Avec un petit cœur. Là, c'est un petit scooter. Là, c'est des petits chapeaux, on dirait, des petits cônes. Vous voyez? Et là, c'est un batteur. Voilà, pour monter les blancs. Un robot. Et bien, je te remercie beaucoup, Luna, pour ces petits tampons. Ils me font énormément plaisir. C'est vrai que je ne les utilise pas, moi, mes tampons. J'en ai plein, mais je ne les utilise pas. Mais là, ça me donnera peut-être envie d'essayer. C'est vrai que mes tampons, je ne les utilise pas beaucoup. Mais pourtant, j'en ai. Voulez-vous vous le dire. Merci beaucoup, Ilona. C'est très gentil. Ensuite, oh, 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 oh. Regardez-moi ça. C'est choupinou, ça. Regardez. Une petite pelle pour mes petites fleurs. Mais je crois pas que je vais l'utiliser pour mes petites fleurs. Elle est trop belle. Oh, va falloir la customiser. Vous ne croyez pas, les petits abonnés? Une petite customisation sur cette petite chose. Ça devrait le faire. Je sais pas encore quoi, mais bon, c'est dans mes couleurs. Donc, on pourrait faire quelque chose de joli. Je vais réfléchir à ça. Customiser une petite pelle. Pourquoi pas? Merci, Luna. Ensuite, elle m'a offert des petites fleurs. C'est une nouvelle petite fleur qui est chez Action. Je les ai vues, mais j'en ai pas acheté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une petite serviette de Paris. Comme ceci. Elle est trop jolie. Je pourrais l'utiliser, cette serviette, pour mettre dans un cadre. Je pourrais trouver un cadre rond comme ça et le mettre dedans parce qu'elle est très jolie. Ça ferait joli. Et à la place du petit nœud, là, rose, mettre autre chose. Ça ferait trop trop joli. On verra ça aussi. Plein de petites idées, Luna, tu me donnes. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Brune. Décoration. Ah, c'est du raffia. Ok. Voilà, du raffia. Super. Donc, elle est aussi dans le concours. Hein. Ah, la coquine, elle a fait une petite théière en papier. Regardez.
Voilà, en papier. Comme ça. Et dedans, on a mis des petites découpes de petites fleurs. Regardez. Plein de petites fleurs comme ça. Et ça sert toujours. Voilà. Elle en a fait tout plein. Merci beaucoup, Ilona. C'est trop, hein? C'est mignon. Alors, Ilona, si je peux me permettre, t'aurais dû. Il faudrait les doubler, tes petites tasses. Hein? Peut-être doubler comme ça, elle resterait tout en forme. En fait, tu te fais un gabarit avec ton gabarit en carton avec du truc de chez Action et tu remets ton papier par-dessus ton gabarit que tu as fait. Après, tu prends de l'Aston, Focus Please, du truc de chez Action et hop, ça te durcit ta théière. Et tu verras, ça fera des superbes théières. Ta petite mini théière, elle est super belle comme ça. J'aime bien aussi. Mais alors, un plus joli, si je peux me permettre de te le dire, un plus joli tenue. Tu sais, une tenue. Voilà. Merci, merci, Luna. Surtout, ne le prends pas mal, Luna, de ce que je t'ai dit. C'est juste un petit conseil. Hein. C'est tout. Hein. Alors là, elle a fait comme moi. Regardez. Elle a customisé une petite bougie, comme moi j'avais fait. Regardez. Qu'on a chez Action. Et elle l'a habillée aux couleurs Chabi. Tes petits brillants, là, ils sont trop jolis, Luna. Ah, focus please. Voilà. Vous avez vu? C'est mignon, hein? J'aime bien. Avec de la dentelle de chez Action. Et la petite dentelle là aussi. Trop jolie. Merci. Elle fait des folies. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une bougie. Pâte pour EVSF. Prête pour un EVJF. Inoubliable. Ouh. Fraise des bois. Alors, marqué, je sais pas si je vais sentir. Je sais pas si j'ai mon nez bouché et je parle beaucoup du nez. Et je sens un tout petit peu. Ah, super. Alors, je vais attendre que mon nez soit débouché pour la faire brûler. Regardez, fraise des bois. C'est trop choupi, ça. Ça, c'est encore un petit pot après à décorer. Eh oui. Petit pot comme ça, il faut les garder parce qu'ils sont jolis. Vous avez vu? Alors, ça fait deux choses en même temps. Déjà, elle me l'a offert pour mon... Pour comment? Pour que ça sente bon. Et ensuite, une fois que c'est fini, bah, vous le customisez. Trop bien, non? Merci beaucoup, Yana. Je suis contente. Alors, là, il y a un petit truc. Comme ça. Merci beaucoup. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du papier adhésif, Chabi. Ah, c'est cool, ça. Je sais pas aussi que tu l'as eu. Regardez. Du papier adhésif. Dans les couleurs. C'est joli, ça. J'aime bien la couleur. C'est très joli. Merci beaucoup, Ilona. C'est très gentil. Regardez. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, oula, il y a une boîte qui est tombée là. Ah, c'est la boîte qu'elle a fait en tuto. Alors, attendez. Elle en a fait plusieurs. Elle a fait des folies. Regardez. Deux boîtes. Attendez, parce qu'il y a des petites choses qui sont tombées à l'intérieur. J'ai retrouvé une petite perle. Un petit nœud, c'est tombé dans le carton. Un petit nounours. Je les pose là parce que... Alors, un petit nœud comme ça. Des petites serviettes comme ceci. Regardez le bon gâteau qu'il y a là. J'aime bien, c'est joli. J'aime bien les petites serviettes comme ça, Chabi. Voilà. Alors attendez. Là, hop. Je vous sors tout ça. Je vous sors tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a des petites choses qui se sont renversées dans le carton. Ah, attendez. Là, c'est une petite perle.
un facteur. Ils n'ont pas dû faire attention naturellement. Hein. Alors attendez, je. Là il y a encore un petit. Attendez, je vous déballe tout ça. Ah, et elle a fait son verre. Elle a fait un verre customisé. Je pense que c'était dans le verre, les petites choses. Ah, attendez. Ah, attendez. Ça s'est ouvert, le verre s'est ouvert en fait. Hop. Je vous montre. Tout est tombé par terre. Voilà. Ça y est, c'est bon. J'ai pu récupérer tout ce qu'il y avait. Donc je vous montre. Une petite fleur comme ça. Des petites perles et un petit nounours. Un petit nounours comme ça. Un petit joueur de foot. Pour mes footballeurs à la maison. Merci beaucoup. Regardez, une petite rose. Alors elle doit être certainement de là. Tu me diras, Yoda. Voilà. Bon bah du coup, je vais vous montrer son envoi. Je pense que ça doit être là, je sais pas. Tu me diras, Luna, je la recollerai. Je pense qu'elle vient de ton petit livre que tu m'as fait. Voilà, elle m'a décoré un petit cahier comme ceci. Il y a plein de petits trucs, regardez. Voilà. C'est trop gentil, regardez. Du coup, elle m'a décoré. Ça aussi, c'est joli, j'aime bien. Et c'est vrai qu'on en a jamais assez, des cahiers. Regardez comme c'est chou. C'est joli, hein. Je te remercie infiniment. Et Luna. Excusez-moi, parce que je vais arriver à ne plus pouvoir parler. Ensuite. Ah, c'est trop bien, ça. C'est des petits tampons avec du vernis à rouge à lèvres, des fossiles. Regardez. C'est chou, hein. Merci beaucoup. Et là, elle a fait des folies, la petite Luna. Ah, attendez, je vais vous montrer après. Une petite fleur. Là, comme ça aussi. Petite fleur comme ça. Elles sont jolies, celles-ci. Hein. Ah, attendez, je vais enlever tous les petits trucs. Parce que sinon, on va en mettre partout. Voilà. Alors, donc là, on va découvrir le verre qu'elle a fait. Il est joli ton verre, Elena. Là, j'ai une petite fleur qui s'est décollée. Tu me diras où il faudra la mettre. Ah, regardez les verres qu'elle fait. Alors, elle l'a montré en vidéo. Regardez. Ah, c'est dommage parce que ça s'est ouvert dans le colis. Regardez comment que c'est joli. Et ça, elle l'a fait. Allez voir sa vidéo. Donc, allez voir sa petite chaîne. C'est Luna Scrap, naturellement. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est joli. C'est magnifiquement bien décoré. Regardez, avec des brillants et tout, ça brille. C'est chouette. Elle a mis des cadres, des fleurs. Et là, à l'intérieur, voilà. Elle a mis des petites fleurs. Voilà. Je vais vous montrer. Elle a rempli son petit verre. Voilà, comme ceci. De jolies petites fleurs. Là, des petites fleurs. Comme ceci. Là aussi. C'est très joli. Il est très joli ton verre. Regardez. Regardez. Jolie petite feuille. Petite fleur, pardon. Très jolie. C'est très 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 joli, Luna. Bravo. Vous avez vu? Des petites perles d'action, des petites fleurs de chez Action. Tout là, ça vient de chez Action. Et ça fait des belles, des jolies choses. Ton petit ange est super joli. Les petits moulages. Là, pareil. Elle fait des petits moules avec son petit cadre et tout. Vous avez vu? Ça rend super bien. Bravo, Luna. C'est très joli. Très 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 joli. Bravo, bravo. Ça me fait énormément plaisir d'avoir ton premier petit verre comme ça. Il est trop beau. Trop, trop beau. Merci. Quand je vais avoir de la place, je vais pouvoir tout mettre dans ma scrap room. Alors ça, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Si vous saviez. Oh. Je suis à la recherche toujours.
Alors, voilà. Et là, elle m'a fait un petit. Ah, elles sont super jolies, tes petits trucs, là. Tes petites attaches. Regardez ce qu'elle a fait avec. C'est trop joli. Vous avez vu? C'est super joli. Elle a mis du petit tissu, tout ça. Et puis, elle a mis dans ses petites pochettes, je crois. Alors, attendez. Elle a dû mettre des petites choses. Là, je vois des petits trucs. Alors, ça doit être la petite ATC qui est cachée. Mais j'arrive pas à l'attraper. Le coquin, il veut pas venir avec moi. Ah non, c'est une petite image de Tilda. Elle était cachée, la petite Tilda. Elle a eu peur de venir avec moi. Alors, attendez. Hop. Oh, là, le petit ATC. Je savais bien qu'il y avait des petites cachotteries dans les petits coins. Voilà. Ah oui, elle a fait des petites pochettes. Alors, attendez. Hop, un petit ours. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est? Un moulage. Bravo, Elona. Bravo, bravo, bravo. Très, très, très joli. Regardez ça. Ah, c'est avec le papier. Regardez. Ça rend bien, hein? Ça fait joli, d'accord. Super. Ah, c'est trop joli, Luna. Oh, je te remercie beaucoup. Alors, regardez un peu. Elle a fait comme moule. Comme une carte. C'est joli, hein? Regardez-moi ça. Merci beaucoup, Luna. Là, elle m'a fait envoyer une petite carte ours. C'est très joli. Carte Tilda, très jolie aussi, et sa petite carte, son petit ATC pour la participation ah ben, au concours. Donc, allez voir sa petite chaîne chez Luna Scrap, et là, c'est Printemps Vintage. Voilà, c'est la 2 sur 2, et elle va rejoindre ses petites copines. Donc, hop, je la mets de suite. Et ben voilà, elle va fermer déjà la première page. Et voilà, pour Elona. Voilà. Là déjà, une page les filles. Alors que j'ouvre. Regardez. Vous avez vu? Les premiers ATC que j'ai reçus. Merci beaucoup les filles. Merci, merci. Il faut qu'on customise aussi ce truc-là aussi. Alors ensuite, elle a fait une vidéo sur ses moules. Voilà. Pardon, pas sur ses moules. Voilà, si, sur ses moules aussi. Elle nous a fait ça. Et je crois qu'elle a fait celle-ci comme boîte. Et regardez comme elle est jolie. Je l'ai vue. J'ai vu sur la fin du tuto. C'est super joli, Luna. Magnifique. Regardez. Un joli cadre avec une petite Tilda dans les roses. Regardez, c'est joli quand même. C'est très 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 joli, Luna. Très 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 joli. Et à l'intérieur, elle a mis plein de petites choses. Voilà, ma coquine. Alors, des petits nœuds comme ça. Des petits nœuds comme ça. Des petits boutons qu'elle a crochetés, je pense. Voilà, ils sont jolis. Regardez. Des petits trucs comme ça. Donc, elle a fait ces petits pots aussi d'une boîte de conserve là. Des petites boîtes de conserve, regardez. Elle en a fait des petits pots. Pour mettre dans ces petites boîtes, et c'est ce qu'elle a mis au fond, c'est super. Alors, du coup, hop, je vais les ranger en même temps de l'autre côté. Voilà, un petit nœud, un autre petit truc de ruban, un petit ours,
Pardon. Un petit bouton. Ah, et des petits cadres. Regardez-moi ça. Avec ceci, petit brillant. Regardez, petite fleur. Petite fleur. Petite pompille. Petit papillon. Petit cadre. Ça sert toujours les petits cadres. Et je te remercie, Yana, parce que je vais pouvoir les refaire en moule, parce que j'en avais plus de moules comme ça. Et je vais pouvoir les refaire. Merci beaucoup, Yana. D'ailleurs, je vais les mettre de côté pour pouvoir les refaire. Et oui, hein, on s'échange des moules comme ça. Hein. Faudrait qu'un jour, on fasse un échange spécial moule. Ça serait génial. Comme ça, on pourrait reproduire des moules. Petit cœur. Les petits nœuds. Ah, oh, il est trop choupi. Regardez. La petite ours. Un petit truc en bois. Les petits nœuds qu'on a trouvés chez... chez comment? Chez Nose. Petit truc en bois. Petit bouton. Regardez. Petit truc en bois. Boutons, ils sont jolis tes boutons là. Je sais pas où tu les as eu, mais ils sont trop beaux. Je vais en crocheter un. Regardez ça, petit bouton comme ça, petit truc comme ça en bois, comme ça. Elles sont trop jolies aussi, tes petites perles comme ça. J'aime bien, elles sont belles, elles sont super jolies. Et les petits boutons. Ça, Luna, je vais les crocheter, les petits boutons. Ah, et il y a quelque chose qui est tombé entre les deux boîtes. Un petit bouton. Et un autre petit bouton. Avec un petit truc de pompier comme ça. Merci beaucoup. Beaucoup, 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 Luna. Merci beaucoup. Trop, trop gentil. Ta petite boîte, elle est super jolie. Regardez, je vous la remonte. C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Yuna. Merci. Et alors là, elle m'a fait une petite box. Alors, de chez Action, avec les petites boîtes de chez Action, comme on fait. C'est trop joli. Regardez ça avec des petites plumes. De la dentelle, des petites fleurs, des petites perles qu'elle a collées à droite à gauche, un cadre avec là, une photo Tilda qu'elle m'a offert et un petit nœud, plein de petites choses, regardez ça. Et derrière, elle a embelli aussi sa boîte en dessous. Et du coup, ça sent la bidouille. On va regarder. Oh. Et B. Alors là, vous avez vu, elle a mis du papier, elle m'a mis une petite plume et elle m'a mis des petits moules qu'elle a moulé elle-même. Très réussi, ma petite Ilona. Très très jolie. Très jolie. Un petit ange. Les petits camets. Des petites plumes, un petit oiseau ou des petits oiseaux, très joli cœur, j'aime bien. Hop, ce sera pour un prochain moulage aussi. Je mets là, ah, très joli, très très joli, j'aime beaucoup. Hop, un petit chapeau. C'est très joli aussi. Très très réussi tes petits moules. Regardez comme c'est beau. Là aussi, un petit moule.
petit cadre, un petit bouquet de fleurs, des petites plumes, petites fleurs, un camé, un ange, un moule de chez Action, un petit truc de chez Action qu'elle a moulé, un petit cadre, oups, un petit nounours et une petite hibou chouette avec des petites perles qu'elle a mis, avec une petite plume et des petites perles comme ça de chez Action. Vous voyez, il y en a plusieurs. Trop gentil, je te remercie beaucoup. Ensuite, là, elle m'a mis un pen. Il y en a plusieurs, deux. Voilà. On m'a mis des petites fleurs comme ça. Rouge en mousse. Voilà. Et elle m'a mis un autre peigne qu'elle a customisé. Voilà. Elle m'a mis des petites breloques comme ça. Les petites fleurs qu'elle a fait. Des petites pampilles comme ceci, de toutes les couleurs. Là, elle m'a mis une petite pampille comme ça, avec des petits nœuds de chez Action. Vous en avez des marrons, des roses. Ici, elle m'a mis des petites fleurs. Vous voyez, comme ceci en papier, qu'on avait chez Nose. Moi, j'ai eu les mêmes, je les avais trouvés les mêmes chez Nose. C'est joli dans cette couleur comme ça. Là, elle m'en a mis des autres. Ici. C'est comme un velours, un velouté. Regardez. Vous avez vu? Une petite fleur comme ça, en fait. Là, c'est de toutes les couleurs. Vous voyez? Toutes les couleurs, un panaché de couleurs, de petites fleurs comme ça. C'est très joli. Ça change un peu. Des ronds. Comme ceci. Ensuite, des boutons. Comme ça. Comme ça. Des petits nœuds. Comme ceci. Avec des petits brades. Des petits brades. Voilà, des petits brades. Petites fleurs, des petits brades. Petites fleurs comme ça. Vous voyez? Une comme ça. Des petits pompons. Attendez, je vais me les mettre là, les petits pompons. Encore un petit pompon. Des petits brades. Ça, ça peut toujours servir. Petit bouton. Vous voyez, comme ça. Hop. Et comme ça. Celui-là, il est joli aussi. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ils sont beaux, hein. Petit bouton de chez Action. Hein. Ils sont beaux. J'aime bien. Les petits brades comme ça, rose. La pensée à rester dans mes couleurs. Regardez. C'est joli, hein. Oh, écoute, Elona, c'est très, très, très gentil. Alors, Elona m'a fait avec Elona, on a fait un échange. Donc, moi, le tien, il va partir. Dans une semaine, il va partir, je pense. Je pense l'avoir fini dans une semaine. Je suis désolée, mais je suis en retard dans mes envois. Et j'ai des petites abonnées qui me demandent pour faire des échanges. Mais là, en ce moment, j'ai un peu de retard. Parce que j'ai eu beaucoup de travail, je suis tombée malade, je retombe malade là, un petit rhume, mais ben voilà. J'ai eu beaucoup de petits soucis et du coup, je n'ai pas pu être là comme je pouvais. Donc voilà, les choses rentrent dans l'ordre, donc je vais pouvoir continuer
Continuez, continuez, continuez. Voilà. Donc, Elena, donc, elle m'a fait un échange. Et en même temps, elle m'a fêté pour mon anniversaire. Parce qu'elle pensait que c'était au mois d'avril. Mais non, c'est au mois de mai. À la même date, Elena. Mais pas au mois d'avril. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça me comble de bonheur que tu aies pensé à moi aussi pour mon anniversaire. Et c'est très, très, très gentil. Et je te remercie infiniment avec tous ces jolis envois. Et qui me plaisent beaucoup et tout et tout. Et je vais refaire des moules, moi, avec tes petits trucs et tout. Je vais me servir, hein. Des fois, je pioche, je pioche, je pioche. Bon, et de temps en temps, je prends des petits trucs de mes petites abonnées et je fais des petites choses avec. Je te remercie infiniment, Iluna, de ce très joli envoi et de ta participation à mon concours. Car ça me fait énormément plaisir que tu participes à mon concours. Voilà. Donc, je te fais des énormes gros bisous. Et je vous fais des gros bisous à toutes mes abonnées. Et mes abonnés, s'il y a. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait deux ou trois abonnés hommes. Voilà. Ils sont les bienvenus. Hein. De toute façon, on est tous. Soit qu'on a une petite chaîne ou voilà. Et sur ce, je vous fais des énormes gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Charlie Scrap. Merci Luna. Bisous bisous mes abonnés. Bisous à tout le monde. Bisous bisous.